de la silver economy. Alors c'est lié aux personnes âgées, ça, tout le monde l'a compris, je pense. Mais pourrais-tu nous préciser ce que l'on entend réellement par silver economy ? Alors silver economy, ça veut dire l'économie du vieillissement. Oui, alors je voudrais rappeler que ce sujet a été travaillé déjà avant le congrès de Saint-Étienne par l'ancien espace en jeu de société sous la houlette d'Annie Bertel, qui a confié une mission de la CGT à l'Université de Grenoble pour mesurer les effets du vieillissement de la population française, de leurs besoins, de la place et du rôle des retraités de la société française. On continue cet aspect en travaillant effectivement la question de la silver economy. Parce que là, on sent bien, notamment avec le développement des technologies nouvelles, mais pas seulement, il y a toutes ces professions d'accompagnement des personnes âgées, le travail à domicile, etc., qui font qu'aujourd'hui, il y a véritablement une mine d'emplois là, et probablement en gestation, une industrie liée au vieillissement de la population. Alors aujourd'hui, on est plus nombreux, on vit beaucoup plus longtemps qu'auparavant. On a une vie en retraite qui est beaucoup plus longue par le passé, mais cette vie est complètement différente. Toutefois, on avait un lien familial fort, on vivait jusqu'au dernier souffle dans la famille, y compris dans la maison d'un enfant. Aujourd'hui, c'est plutôt une fin de vie isolée. Soit la personne veut vivre seule, soit elle va en maison d'accueil quand elle a des problèmes de dépendance. Donc il y a forcément des besoins nouveaux. Alors c'est des besoins différenciés selon les stades de l'âge et de la forme physique. Quand on est en retraite, on veut encore faire du sport pour certains, pour avoir accès à la culture, aux loisirs. On vit toute une période en bonne santé et en pleine activité. On veut avoir toute une diversité d'activités. Et puis, inexorablement, on a aussi une période de diminution physique, ou de perte d'autonomie, ou de santé. On a besoin des nouvelles technologies pour des gestes de la vie quotidienne, pour des déplacements, par exemple en appartement, ou voire en maison d'accueil, adaptée à l'âge et à l'activité au niveau physique dans lequel on est. Alors, il y a des chiffres qui commencent à sortir effectivement sur la contribution de la consommation des personnes âgées dans l'économie française. Il y a même l'espoir au sein du gouvernement que finalement les retraités puissent constituer, de par leur consommation, un moteur de la croissance. Est-ce que tu y crois ? Moi, j'ai toujours pensé que les retraités étaient de toute façon un moteur de la croissance. Même s'ils sont épargnants, je pense qu'ils visent à assurer leur protection pour les derniers jours, qui coûtent fort cher, d'où la question de la loi sur le financement, de le vieillissement qui finance. Mais je pense qu'en mettant de l'argent de côté, ils participent, cet argent participe à des prêts à d'autres, puisque les banques vont prêter cet argent qui leur est déposé chez eux. Donc de cette façon-là, ils y participent. Ils y participent sur deux autres côtés, à mon avis. La consommation, et cette consommation est complètement diversifiée. Tu prends par exemple le chauffage d'un actif. Il peut régler son chauffage en s'absentant le matin de 8h en rentrant 18h le soir. Le retraité, pardon, il reste toute la journée. Il regarde la télévision. Et il faut bien imaginer qu'en matière de protection sociale, de consommation de médicaments, de mutuelles, qu'il a des besoins qui sont complètement différents que quand tu es en pleine forme et que tu as 20 ans. Donc cette consommation est un point important. Et il est même reconnu que, heureusement qu'il y a les retraités dans cette période de crise difficile, parce qu'ils ont une consommation qui est sûre. Et puis, le troisième élément, c'est la solidarité familiale ou associative. On n'en parle pas, mais pour pallier au manque de crèches, pour empêcher des parents
qui sera obligé de prendre un arrêt de travail pour garder des enfants malades, pour récupérer les enfants à la sortie de l'école, etc., etc. Les retraités donnent beaucoup, alors je ne veux même pas parler du monde associatif, mais les Restos du Cœur, les associations de loisirs, de solidarité, les retraités, la gestion des mairies. Si on prend le nombre de maires qui ont plus de 60 ans qui sont en retraite, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc moi, sur ce point, il faut être vraiment ferme. C'est un point de repère même sur lequel il faut être solide. Les retraités concourent beaucoup au développement de l'économie française. Alors après, moi, je pense que c'est bête, c'est pour répondre à l'histoire du jeunisme, d'inventer l'économie du vieillissement. Parce qu'on pourrait dire aussi qu'il y a une économie pour les ados, qu'il y a une économie pour les adultes, pour les actifs, puis qu'il y a une économie pour les personnes âgées. Est-ce qu'on va commencer à définir en secteur des économies? Ça a toujours existé. Diversité d'économies font une économie globale dans le pays. Y a aussi, comment je dirais, des besoins nouveaux des retraités. Oui, parce qu'il y a près de 200 entreprises à l'heure actuelle. Alors, qui se sont créées justement voilà, dans ce but. Nous, on n'a pas encore, la CGT, rendu un avis définitif sur la silver economy. On est en train de travailler sur le sujet et on a choisi de faire une approche diversifiée du sujet. Par exemple, la Fédération de la métallurgie a elle-même produit un document sur ce qu'est l'idée de l'économie du vieillissement en matière d'emploi, de technologie, de produits, de localisation des emplois, etc. C'est bien, c'est sa responsabilité, etc. On a voulu voir, on a commencé à travailler avec des infirmières pour dire, est-ce que vous, les nouvelles technologies, par rapport au vieillissement de la population, ça vous amène quelque chose? Est-ce que vous avez un ressenti? Que pensez-vous du sujet de la modernisation des technologies sur les personnes âgées et en milieu hospitalier. On a eu un débat assez intéressant avec une infirmière qui avait beaucoup d'expérience, qui montre que d'un côté, on veut remplir des besoins, qu'il y a des besoins par rapport, par exemple, déplacer une personne âgée et déplacer un jeune de 14 ans. C'est pas la même chose. Vous voyez, des infirmiers ont témoigné qu'il y a eu des progrès en matière de matériel ou même on a vu avec un médecin de l'autre côté comment la médecine à distance pouvait amener des progrès. En même temps, dans le milieu médical, on a eu aussi la troisième approche avec des assistants sociaux, les aides sociales, les aides familiales, les intervenants à domicile. Ces trois secteurs nous ont montré qu'il y avait des besoins technologiques qu'apportaient du bien-être aux personnes, mais en même temps que de l'autre côté, on essayait de remettre en cause leur statut de personnel ou leur métier, ou même tout simplement d'enlever de l'humain pour dépenser plus de temps sur les technologies. Par exemple, un intervenant social nous disait, on nous oblige à avoir un ordinateur, nous sommes minutés, tout ce que nous faisons, le temps de la toilette, le temps du repas, le temps des médicaments, le temps de ceci, le temps de cela, je dois minuter tout ça, mettre tout ça sur mon ordinateur. Eh bien, tout ce temps, je ne le passe plus avec la personne, en relation humaine. Donc, à la fois, il y a une part d'apport, de réponse aux besoins pour les personnes vieillissantes. En même temps, il y a des tentatives d'enlever des avantages, de casser des professions, de casser des habitudes, des avantages sociaux. Et il faut se méfier, il y a tendance aussi à casser du rapport humain dans tout ça. Ce qui est capital dans ce domaine en particulier. Alors ça, c'est un peu les approches, je dirais... par rapport au milieu de la santé ou du maintien à domicile. Et on a eu donc une approche par un chercheur hein, sur,
Catherine Duchet de l'Université de Grenoble, qui elle a montré, comment je dirais, tous les enjeux qu'il y avait en termes de possibilités de réponse aux besoins, mais les limites de ces apports des nouvelles technologies, les dangers, les écueils à éviter, hein, sur lesquels on est aussi en train de travailler et sur lesquels, je pense, la CGT s'exprimera, comment je dirais, un peu en dernier, en bout de ligne, en formulant des revendications, parce que c'est quand même une jungle. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du développement des technologies, hein. Comme pour un ado, comme pour un actif, on a tous vécu les mutations de la société, hein. On a tous fait du vélo, de la mobylette et de la voiture. Et hein. On a démarré les voitures avec des manivelles et puis maintenant on est électronique. Bon, on a tous vécu ça. Mais là-dedans, il y a du bien, il y a de la réponse aux besoins. On ne ferait certainement pas des retours en arrière, mais aussi beaucoup de business où on veut gagner de l'argent avant d'avoir commencé et savoir si ça servait véritablement aux personnes. Je crois que ça, c'est, il faudra qu'on travaille ces questions-là. Le deuxième, c'est une protection des personnes âgées. Il faudrait qu'on concourt à un label des nouvelles technologies et pas un label comme les entreprises de l'agroalimentaire, entre elles décernent le meilleur produit de l'année, mais un label avec des experts indépendants qui décrètent que ce produit est véritablement un progrès social, un apport, une réponse aux besoins. Je pense qu'il y a besoin d'avoir une réflexion sur ce sujet-là, parce que les entreprises se décernent vite des brevets entre elles pour vendre n'importe quoi. Et troisièmement, ça va revenir fort, je pense, parce que c'est un sujet de société, les personnes âgées en ont marre d'être agressées tous les jours au téléphone, et non seulement être agressées, mais arnaquées. Moi, j'ai vu une personne... son appartement avait été isolé et traité par les termites, une personne âgée, on est passé chez elle, vous rendez compte, votre toiture est en train de s'écrouler, l'air passe comme à Gravelotte, etc. etc. Donc je pense qu'il va falloir qu'on trouve une déontologie, une protection, et ça on doit avoir par exemple un contact avec un des causes CGT sur ce sujet-là. Voilà. Il y a peut-être le risque aussi, s'il n'y a que le marché qui régule le développement de cette économie, que les retraités parmi les plus défavorisés ne bénéficient pas de l'usage de ces technologies, de ces nouveaux outils. Il y a plusieurs dangers, tu as raison, hein, que les plus aisés puissent profiter de tout, mais qu'en même temps, dans ce tout, il y a la meilleure et la pire des choses. Il y a une étude sur la téléassistance, par exemple, qui montre qu'il y a peu de biens dans tous les services proposés. Il y a ça. Puis le deuxième danger, comme tu le soulignes, c'est vrai que ceux qui ont peu de moyens, eux, seraient complètement squeezés, n'auraient pas droit au développement des technologies. Pourtant, un handicap physique, qu'il soit c'est une personne riche ou une personne pauvre, c'est un handicap, le déplacement, la nourriture à domicile, l'amélioration du logement, etc., etc. Ça, c'est des enjeux assez forts. Alors, l'idée, c'est qu'on va finir ce travail, ce regard croisé du chercheur, d'une fédération d'industrie, qui a les métaux, des assistants sociaux, de l'infirmière, du médecin. Et je pense que peut-être on aura une initiative, on verra, soit avec Vie Nouvelle, soit avec l'UCR, pour mettre tous ces intervenants en paquet un jour, et qui conduit la CGT à avoir quelques revendications plus fortes par rapport aux besoins. Et naturellement, par rapport au le financement de la loi sur le vieillissement qui est important. Comme tu dis, l'enjeu, c'est que tout le monde puisse participer au développement, au progrès social, et tout le monde puisse en profiter, quoi.